Construite sur un espace surélevé, pour résister aux inondations de la Loire toute proche, la ferme restaurée de la Boire du Chêne fut un temps un lieu d'attraction pour les promeneurs qui venaient admirer ces milliers de fleurs plantées dans un agréable parc. Construit du 15e au 16e, le vieux logis de la Perruche fut occupé d'abord par le régisseur du château des Réaux. Il a été acquis fin 19e par la communauté Saint-Charles d'Angers pour y abriter un internat de jeunes filles. Une sculpture et d'autres symboles gravés sur le manteau de la cheminée attestent de son occupation par Pierre Simon, marinier de Loire. Le manoir du Vaux-Rosé surplombe un étang de 11 hectares entouré de forêts. Le logis principal, quadrangulaire, est flanqué d'une tourelle, en encorbellement, coiffée en poivrière. C'est au XVe siècle une demeure seigneuriale dépendant du fief de Saint-Martin. La façade sud a conservé ses croisées à meneaux de pierre de tuffeau. Il fut remanié au XVIIe, date à laquelle une tour carrée fut ajoutée à la façade nord. Modeste construction du XVIIIe, elle occupe un essart resté en culture jusqu'au début du XXe. Cinq familles d'ouvriers agricoles et du bûcheron se partageaient les différentes dépendances. En 1436, le château de Minières fut d'abord une ferme fortifiée. Il a été agrandi en manoir au XVIe siècle, puis à nouveau au XVIIIe. Il est entouré de murs de tuffeau, extraits des caves proches des Évois, et contient les restes d'une chapelle, un bosquet avec un majestueux cèdre du Liban et trois séquoias vieux de 200 ans. Construit au XVIIe sur ordre de Richelieu pour y établir une ferme vigneronne, le manoir de la Galotière fut détruit à la Révolution puis reconstruit vers 1850.
Cet ancien moulin banal du château de Gizeux, construit au XVIe siècle, possédait deux roues à aubes. Un étang artificiel alimenté par le Changeon permettait d'avoir un débit d'eau régulé pour le moulin, puis pour la scierie. Au début du XXe siècle, une dynamo et des accumulateurs produisaient aussi l'électricité pour l'éclairage de l'usine en hiver. Construite au XVIIIe et agrandie au XIXe et XXe, cette longère tourangelle de la Huberderie est située à proximité de la Loire, au lieu-dit la Corne de Serre. La maison du Cèdre Bleu représente le type d'habitation construite fin XIXe pour un agriculteur plutôt aisé, valorisant la fertilité des terres alluviales, sablonneuses, les varennes de Loire, pour produire des graines, des légumes et des fruits.